Et vous savez quoi? En ce qui me concerne, si j'ai pu écrire l'histoire artistique qui a été la mienne, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille avec des valeurs. Et j'ai écrit un texte pour rendre hommage quelque part à cette famille, à vos familles. Ce texte s'appelle Brave. Nos parents sont partis du bled pour nous, loin des leurs. Imagine ce qu'ils ont dû traverser, loin des leurs. Avec pas grand chose pour vivre, ils ont su rester dignes, même s'ils se sont cognés sur les murs de la vie. Dans les cœurs, les blessures du passé, dans la tête, plein de rêves, dans des foyers sonacotra tassés. Bosser dur pour des petits sous, finir toujours tard, avec les gosses, pas le temps pour la tendresse et les bisous. Nos histoires se ressemblent, car c'est souvent les mêmes. Peu importe les origines, le scénario est souvent le même. Trop tôt, confronté à tout ça, ça fait mal. Mais quand t'es petit, tu comprends rien, tu connais rien d'autre, c'est normal. On a grandi avec peu dans les banlieues. Et vous savez quoi? Il y a un mec qui m'a dit un jour, c'est chez les pauvres qu'on mange le mieux. Trop tendance à oublier d'où l'on vient. Pire encore, qui nous sommes, on se plaint. Nos parents ont fait plus avec presque rien. Ceux qui n'ont pas eu de chance, on finit placé, éducateur, institution, famille éclatée, chaotique scolarité, dramatique vie. Avec les autres, on affiche un semblant de normalité. Nos parents ont tout vu, pression financière taudie, prendre des crédits pour payer d'autres crédits. Pour une paire de baskets à la mode, toi, t'es là à faire un scandale. Eux, ils n'ont pas eu le quart de ce qu'on a, relativise. Ils nous ont donné des valeurs, la police tue. Les voitures brûlent et tristement nos quartiers deviennent célèbres. La misère laisse des traces et fait l'injustice explique certains dérapages. Si, si.